Mesdames, mesdemoiselles, messieurs les carottes, nous nous retrouvons dans une vidéo de nouveautés. Ça fait très longtemps que je n'avais pas filmé, la dernière, c'est les nouveautés du printemps 2018. Donc dans cette vidéo, il y aura un concentré des saisons été, automne et hiver 2019. Donc voilà, c'est parti. On va bien sûr procéder comme pour les vidéos précédentes. En premier, je vais vous présenter les nouvelles figurines. Premièrement, j'ai reçu... On va essayer de le mettre dans la mise au point. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai innové pour le fond. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc en premier, j'ai reçu ce petit cheval de la part de Roger Soupline. Vous l'avez déjà vu dans ma précédente vidéo colis, sauf qu'il a l'œil un peu abîmé. J'avais profité de l'occasion pour le racheter en meilleur état. Donc celui-là, je l'ai toujours. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Ensuite, 4 figurines de Candy Schlech. La petite carte de visite qui fait plaisir. Donc on a une jument safari, je crois, et puis 3 petits poneys papous, les mêmes, mais qui sont des variantes. Donc pour l'instant je garde les 3 et puis on verra. Pour continuer dans les figurines, cette fois-ci j'ai acheté une nouvelle vache, une brebis et un joli chat. Donc j'ai acheté ces 3 là à California Schlech. La vache et la brebis sont un peu abîmées, mais bon, sinon je les aime beaucoup. Ensuite, encore des chevaux qui proviennent de chez Danse Indienne. Donc ce sont 2 papous, il me semble bien. Donc on a ce poulain là, tellement original, et on a ce cheval là que j'avais vu sur le compte de Azaya et que je trouvais tellement beau. En fait, il est tellement moche que je le trouve magnifique. En fait, c'est ça, j'aime bien les chevaux moches. Pour continuer, j'ai pu agrandir ma collection de Bayala avec 7 fées et son cheval bien sûr, et celle-ci. Donc je les ai achetées à Fantine, je ne sais plus c'est quoi son pseudo Instagram, mais c'est pas grave. J'étais vraiment super contente de ces figurines parce qu'elles sont absolument magnifiques. Toujours dans les figurines, j'ai acheté ces 2 percherons à Loupa Schlech. Je suis une cliente fidèle maintenant, je sais plus combien de colis elle m'envoyait, au moins 3 ou 4 que je lui ai fait des commandes. Et donc voilà, ces 2 figurines que je cherchais absolument et que je trouve magnifiques. J'ai déjà une idée assez originale de photo pour ce petit loulou. Ensuite, j'ai acheté un cheval comme ça. C'est quoi déjà ? Un pinto, oui, un pinto. Très abîmé, oui, on peut le lire. Qui va être pour un projet assez spécial de custom, mais je ne vous en dis pas plus. La surprise serait gâchée. Ensuite, j'ai acheté une certaine Sarah, ce set western avec cette écuyère. Et 2 poneys absolument magnifiques. Ensuite, on change un peu de registre. Assez étonnant, n'est-ce pas? C'est un hippopotame avec un bouc et un petit lapin que j'ai acheté à Red Sioux. C'est pépite. Ça va me changer des chevaux tout le temps. Ensuite, j'ai commandé un colis à Lutzy Photo. Donc on a d'abord ce pinto là. Non, encore un pinto, vous allez me dire. En même temps, une vidéo sans pinto, c'est pas bout de ficelle schlèche quoi. Donc celui-ci, c'est une variante que je vais ajouter à ma collection. Donc voilà, tout simplement en fait. Il y avait également ce joli papou. Alors les papous en ce moment, je suis à fond dedans, j'adore. Il y avait ensuite dans ce colis ce bel arabe. La variante que je recherchais avec la tête toute noire. Donc il est un petit peu abîmé ici et ici. Et enfin le plus merveilleux de ce colis, j'ai pu enfin trouver... Attendez, je le remets bien. J'ai trouvé... Waouh ! Le set de course. Et elle me l'a fait à un super bon prix. Il est vraiment en excellent état. Et ça fait super longtemps que je recherche les sets. Et bah j'ai pu obtenir le set de course déjà. C'est plutôt bien. C'est même très bien. Et les surprises ne sont pas finies. J'ai eu également... bah super, il rentre pas dans le cadre, c'est génial. Vous le connaissez hein, quand même, il est assez populaire. Donc le set de CSO. Et qui est absolument magnifique aussi. Donc je ne vais également pas tarder à faire des photos avec celui-là. Bon, je dis ça, mais il y a certaines figurines parfois qui restent 4 mois au placard et puis elles sortent jamais. Et pour finir dans les figurines, j'ai commandé un petit colis à Schlech à l'infini pour agrandir ma collection de Bayala. Donc celle-ci, vous l'avez déjà vue sur mon Instagram. Je l'adore tout simplement. Accroche ta main s'il te plaît, ne me saoule pas. En deuxième, il y avait ce Bayala que voici, magnifique aussi. Oups, je vais tout tomber. Et le troisième Bayala de ce colis, c'est ce petit poney que je cherche aussi depuis longtemps, que vous avez déjà vu sur mon compte, mais c'était la figurine de Marie, le clan du torrent. Et du coup, bah, ça y est, je l'ai à moi, enfin, il est super beau. On switch à présent dans la catégorie des custom. Et tout est bien fait, puisque de la même personne, j'ai reçu un cadeau dans son colis. Le voici. Donc bah c'est un joli custom, une robe fantastique, dans les deux sens du terme. Et bah il est superbe, quoi. Pour continuer dans les custom... On va lui remettre son licol à ce petit gars-là. J'ai acheté un custom à Etna Schlech sur le moule du frison pour compléter ma conga line. Donc il était avec son petit licol qui s'est défait et que j'ai la flemme de refaire. Donc je le referai plus tard, évite de tomber s'il te plaît. Je sais que l'herbe n'a pas beaucoup d'adhérence, mais essaie de faire un effort. Donc il se nomme idem du Bohan. Du Bohan. Je sais pas exactement comment ça se dit, je suis navrée. Pas exactement... Waouh !
Pour continuer dans les custom et dans la conga line de Frison, voici Imperador de la Maison Neuve qui vient de Mang Horse Model Horse avec le petit certificat fabuleux, fantastique, magnifique. J'ai pu également agrandir ma conga line de Pinto avec ce magnifique gris et sa cordelette assortie, ou pas d'ailleurs, enfin je sais pas. Si, quand même un peu. Qui nous vient de Orca. Donc celui-ci se nomme Liverpool d'Essonne. Ensuite, toujours pour agrandir mes conga lines, j'ai reçu un autre frison, cette fois-ci de NXL Schlesch. Et ça fait un petit moment déjà que je lui ai commandé, que je lui avais envoyé le chèque. Et en fait, elle me faisait en même temps, je vais vous le montrer, elle me faisait en même temps une commande d'un Pinto. Donc j'ai attendu beaucoup de temps pour les avoir, mais je suis très contente. Le frison s'appelle Matsukaze. Merde, comment on le prononce déjà? Et le Pinto s'appelle Tenma. Donc leurs deux prénoms sont en fait un seul personnage qui est dans un animé qu'elle aime beaucoup, pour la petite anecdote. Ensuite, j'ai participé au concours de Montgomery Studio. Je crois que j'étais à la 3ème place. Un équipement qu'elle a recustomisé. Le set de dressage Schlesch. Ça, c'est une ancienne selle Schlesch. Je suis vraiment contente de l'avoir. Ensuite, j'ai reçu un petit colis de création venant de Mila, qu'elle m'a envoyé gratuitement. Et je la remercie énormément. Et donc, avec les créations, il y avait ce petit custom qui est vraiment super beau. Il est un capé absolument magnifique. Et donc il s'appelle Vagabond. Ce qui nous fait basculer assez intelligemment dans la catégorie des créations. Des petites friandises comme ceci. Un tapis et un amortisseur assorti. Également ce tapis là de randonnée. Une jolie longe tressée en rouge comme ceci. Donc voilà, je te remercie beaucoup pour ce colis parce qu'il est vraiment super joli. Pour continuer dans les créations, j'ai acheté un filet à Schlesch CFH. Un filet en cuir, le voici. Il est vraiment super beau. Je vais dire que super beau dans la vidéo. Je n'ai pas de vocabulaire, je suis navrée. Et en tout cas, il est vraiment super réaliste. Il me plaît beaucoup. Ensuite, j'ai reçu un énorme, mais quand je vous dis énorme, il est énorme, colis de Apache Création. Un mot trop joli. Un magnifique dessin. Et donc, je vais vous présenter toutes les créations. Mais vraiment, elle m'a fait trop de trucs. Vraiment. Et elle me l'a tout offert. Alors franchement, je te remercie. J'ai déjà monté les créations sur des chevaux. Monté des créations sur des chevaux. Installé. Enfin, équipé des chevaux quoi. On va essayer de parler mieux. Donc premièrement, on a ce set western. Et à ce cheval là, ça lui va merveilleusement bien. Une magnifique couverture. Vraiment, elle est hyper réaliste. Avec le licol noir. Oups, le truc qui s'est barré. La minutie de ton travail, c'est absolument magnifique. La longe s'est barrée, je suis désolée. N'hésitez surtout pas à commander sur sa boutique. Mais n'hésitez vraiment pas parce que c'est vraiment de la qualité. Ensuite, il y avait deux side pull en bleu et en rose. L'hélicoptère, tu peux te barrer. Les petits détails des rênes, tout ça. Et c'est vraiment super beau. Ensuite, l'équipement cauchemar. Comment on appelle ça déjà? Il est pas vraiment mis. Au moindre mouvement, bah tout s'enlève quoi. Franchement, ce set est absolument magnifique. Ensuite, et non, ce n'est pas fini. Nous avons un set de transport. Tout assorti. Évidemment, le licol avec le petit détail bleu. C'est vraiment super réaliste. Vraiment encore, merci beaucoup parce que c'est waouh. Cet accessoire-ci, donc c'est une porte qu'on utilise en western, je crois. Faut arriver avec son cheval, ouvrir la porte, passer et refermer la porte tout en restant sur son cheval. Deux chandeliers, trois barres qui forment un obstacle. Excellent, je pense que là il va se casser la margoulette. Expression non utilisée depuis 2005. Oui, voilà, ça va tout se casser si j'essaie de le monter, mais bref, vous voyez un peu comment il est. Vraiment bien peint, très minutieux, pareil tout le temps. Enfin, je crois que je vais dire les mêmes choses à chaque création, donc voilà. Ensuite, il y avait deux obstacles de cross, mais ils sont vraiment très réalistes, magnifiques, très beaux. Ensuite, ce n'est toujours pas fini, il y avait tout un tas de... le truc est tombé, c'est pas grave. Tout un tas de petites créations. Je vais y m'étouffer avec ma morve. Donc trois petites cagettes, très réalistes aussi, également à l'échelle et tout, sont parfaits. Avec des petits fruits et légumes, donc il y en avait beaucoup. Deux petites boîtes de pansage remplies, hein, parce qu'elles déconnent pas à Page Création. Dans la violette, une paire de guêtres, super réaliste également. Ah non, ça s'est accroché. Donc... un tout petit cure-pied et trois jolies brosses. Et dans la boîte bleue, un licol éthologique blanc, une éponge... Je vais pas arriver à tenir mes trucs. Deux petits chiffons. Et finalement, dans un autre sachet, une gamelle. Trois petites balles comme ceci. Deux colliers comme ça, avec des petits foulards.
un autre collier tout simple. Et cette chose-là, je ne sais plus, elle m'a dit ce que c'était et je ne me rappelle plus. Et le clos du spectacle de ce colis, un custom Lasca des Apaches, avec sa couverture et son petit licol. Donc la couverture encore super réaliste. Et donc le custom, un beau Appaloosa. Donc voilà pour cette énorme colis. Et puis finalement, dans la catégorie divers matériels, c'est le moins intéressant, mais bon, je vous le présente quand même. Deux gants, deux masques anti-poussière, anti-tout ce que vous voulez, anti-plein de trucs, et une paire de lunettes. Donc voilà pour cette vidéo des nouveautés, j'espère que ça vous aura plu comme d'habitude. Ça a été un peu le bazar, parce que c'était combiné avec trois saisons de nouveautés. Mais sinon, je vous retrouve bientôt, je vous fais plein de bisous, et à bientôt, salut!